Dans les jardins du château de Versailles, l'objet du scandale, c'est la statue d'Anish Kapoor, de nouveau vandalisée ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, un ou plusieurs individus ont inscrit à la peinture blanche des slogans nationalistes et antisémites. C'est la deuxième fois depuis l'installation de Dirty Corner, le nom de cette œuvre, que le travail d'Anish Kapoor est la cible de dégradation. Il y a eu déjà avant de la peinture qui a été balancée, je ne sais pas si c'était les mêmes auteurs, mais bon, ça n'était que de la peinture. Bon, c'était déjà un viol de l'œuvre, c'était déjà du vandalisme, mais là, il y a un degré au-dessus qui est intolérable. Ce soir, le château de Versailles indique avoir déposé deux plaintes, l'une pour intrusion, l'autre pour dégradation. De son côté, Anish Kapoor a fait savoir par communiqué qu'il ne souhaitait pas que l'on nettoie son œuvre. Ces mots infamants font dorénavant partie d'elle, a-t-il justifié. Mais pour éviter tout malentendu, des médiateurs ont été chargés d'expliquer aux touristes que ces inscriptions ne font pas partie de l'œuvre.